Saints in Japanese Georgia. Pink faces and snow white beds. Flying cab dots light as a ghost. Spilled Pinot way on my car. Attends, je coupe la musique, je sais pas du tout si tu vas m'entendre. J'ai un petit peu la voix cassée, j'étais pratiquement à fond ces derniers jours. C'est pour ça que c'est un petit peu rocailleux. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est dans la Twingo, prêt à rentrer à la maison parce qu'en fait j'ai fait quelques petits achats. J'avais besoin de deux paires de chaussures. Et c'est en fait ma collègue Fred qui m'a parlé d'un magasin outlet. Tu sais que j'aime bien acheter soit de seconde main ou essayer de trouver à plus petit prix, etc. Et les anciennes collections, tout ça, beaucoup moins cher, etc. Et puis c'est des belles chaussures. Donc je me suis pris des petites chaussures un petit peu sportives pour le boulot, mais quand même un peu habillées, tu vois. Et c'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfait. J'espère que tu m'entendras parce que là, je suis avec mon téléphone. J'ai pas emmené ma caméra en voiture, hein. J'ai pas l'équipement qu'il faut. Mais je suis plutôt content. J'ai fait un petit tour chez Action parce que je vous avais fait un petit espèce de sondage en fait au niveau de mon compte YouTube. J'avais une idée d'acheter en fait une petite boule à facettes pour essayer de faire un prisme lumineux dans le salon. J'ai vu ça sur Instagram, c'était pas mal. Et ma foi, j'ai pas trouvé. Alors j'ai trouvé des stylos, deux, trois petites bêtises. J'en ai eu pour 12 balles. Et c'est surtout pour le boulot en fait. J'aime bien avoir mes petits pots à crayon avec mes petits stylos, mes petits feutres, etc. C'est plutôt pas mal. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Là, je rentre à la maison et puis je pense qu'on va se faire une petite journée ensemble. Un espèce de mini-vlog, c'est ce que je vous disais. J'essaye de me remettre dedans et puis de vous partager un petit peu les choses et de vous faire un petit résumé de la semaine aussi. Donc, on est parti. Je coupe le téléphone et puis let's see what happens. Pas loin de la maison, il fait super beau, c'est super chouette. Je suis trop content d'être en week-end de jour, ça va faire du bien. En fait, j'avais tellement hâte d'être pas vraiment samedi, dimanche de repos. Attends, je ferme la fenêtre juste pour pouvoir reposer un petit peu ma voix et puis papoter un petit peu avec vous parce que ça fait quand même un petit bout de temps, même si je m'y suis remis, etc. Mais ouais, on va se faire un petit café à la maison. On va aller voir Marley aussi qui m'attendait sagement. Pas un peu narcissique de se regarder à la télé. 2,90€, franchement, pas mal. Même Marley, d'accord. Je mets des plantes un petit peu partout. Attends, je me surpose. Qui est en train de cuire, regarde. Alors, non, c'est juste que. Attends. Oui, switchons. Oh là là, les cheveux, ça va pas. La voix, ça va pas, mais on s'en fiche. La tenue, attends. T'as vu quand même que la robe de chambre est en lambeaux à cause de ce chien. Je suis en train de télécharger une mise à jour sur mon ordinateur, sur mon Mac. J'aime bien mettre les bêtas de chez Apple. Puis là, j'ai bien attendu, vu que dans un mois, ça devrait être dispo. Donc je me dis... Ah, je pensais qu'il y avait un cheveu qui partait. Donc ça devrait être pas mal. Je fais mes petits tests. Je suis avec mon chien. En fait, j'ai pas repris suite à notre petite conversation dans la voiture. Merde, je suis en train de mettre mon doigt sur le micro. Zut. J'étais en train de m'inspirer de ce que je faisais auparavant. Vlog, le bonheur se trouve aussi dans l'ennui et il se cultive. Oui, désolé, tu vois, c'est toujours assez compliqué. J'ai essayé en fait de me reposer la voix aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas filmé parce que j'étais pas encore au top vocalement, donc il est en train de choper son os. Mais tu vois, j'étais en train de re-regarder ce que je faisais et ça m'inspirait vachement. Tu vois, je me dis, je vais retourner aux sources. Parfois, le retour aux sources, c'est bien. Fais-en bon usage. Évoluer, c'est top, mais des fois, retourner à ce qu'on sait faire de mieux, c'est peut-être pas plus mal. Ça, c'était un point de vue philosophique, là, maintenant, tu vois. Et je vais continuer de regarder tout ce que je disais auparavant,
tu vois, avec cette voix grave et suave. Et comme je dis à chaque fois, let's see what happens. Un petit gâteau aux abricots. Qu'est-ce que j'ai fait? Sauce bolognaise, mais elle est filochée au lieu que ce soit, tu vois. J'ai fait aussi du bœuf. C'est Madame Dour. Attends, tu me vois pas. Franchement, le cadrage de cette vidéo va être abominable. Hein. Écoute, tu le sais. Comme je lui disais vocalement, ça s'améliorera au fur et à mesure des vidéos. D'accord ? Là, j'ai pris note. Ouais, en plus, j'ai un bouton d'herpès dans le pif. Enfin, c'était la semaine de tous les défis. Attends, je te reprends comme ça, Ginette. Hop. Faudrait que je vous trouve un petit nom. Mais oui, c'était la semaine de... Non, la mèche, elle veut pas. Je les ai laissés bien pousser, hein, tu vois. Je me tâte à refaire une permanente, quand même. L'idée me taraude. Est-ce que ce serait bien? Je ne sais pas. Et tu te rappelles, minute capillaire, hein, attends, je faisais un dégradé, là, ici, à blanc. Et ben, maintenant, ils ont repoussé parce que mon coiffeur était en vacances. Et ben, je retrouve ma coupe que quand j'avais 15 ans, quoi, tu vois. C'est petit trait sur le côté, comme ça. Je sais pas si c'est bien. J'ai toujours aimé avoir les cheveux longs, tu vois. Je sais pas, j'ai de la chance. J'ai des bons cheveux, j'ai de la chance. Ouais, bah oui, la voix, elle est toujours cassée. J'ai de plus en plus de cheveux blancs, mais ça me plaît. Bref, parlons pas des cheveux. Qu'est-ce que je te disais? Oui, le cadrage, il est pas bon. Ça va s'améliorer. J'étais en train de prendre des notes, toujours, en tâche de fond, avec une de mes vidéos qui passait. Tu vois, je laissais la playlist dérouler pour me réimprégner de toutes les bêtises que je pouvais dire dans le passé. Non, je suis en train de refaire un petit peu mon bureau. Ça me plaisait pas. J'ai remis des petites Philips Hue là qui changent de couleur ici. Là j'avais mon petit panneau lumineux que j'ai viré. Donc parce que tu vois là, on se la fait un peu à la cendrée. Hein, tu vois, j'aime bien ces vlogs. Là j'ai acheté la Monstera l'autre jour et je crois que je te l'ai même pas montré d'ailleurs. Chez Ikea. Écoute, elle est pas mal. C'est très orange là, désolé, j'ai pas beaucoup de lumière en même temps et j'en allume assez peu. Quand je vois l'augmentation des factures d'électricité, maintenant je coupe tout. Ça, je m'éclaire la bougie, j'allume juste deux lampes et je fais hyper gaffe. Mais là je vais essayer de ranger ça, tu vois, de refaire un truc plus sympa. J'aime bien ce bureau mais... Et là j'ai modifié ça aussi, ça y était pas. Enfin, en fait ça change tout le temps chez moi, tu le sais, hein, ça bouge tout le temps. Donc voilà, ça va être un court vlog sur... matinée. Si, j'ai acheté des chaussures. Ouais, je t'ai pas montré en plus. Faut que je te les montre. Tu feras attention au look absolument incroyable. On va peut-être quand même allumer un petit peu, hein, parce que là, on voit absolument rien. Attends, chien. Mais j'ai que des lumières orange à la maison, tu vois. J'ai rien de blanc. La minute vintage, l'iPod classique. Et du coup, j'ai pas mal de petites musiques dedans que je télécharge moi-même et puis que je mets à l'intérieur. Parce que ça c'est increvable, les amis. Sur une vieille station Logitech qui a au moins 10 ans, tu vois, et j'écoute mes petites musiques comme ça. J'ai pas du Amy, tiens, je vais mettre du Amy Winehouse, mais je vais mettre du Frank. On est parti. Ouais, c'est parti. J'ai rangé mon petit bureau. J'ai fait ma petite mise à jour. Je suis en train de ranger toutes mes icônes, là, tout ce qui traîne. Bref, je suis plutôt satisfait avec ma petite tisane. Voilà. Écoute, ça restera encombré. Switchons. Je sais pas si je vais remettre en ligne cette vidéo, mais en même temps, c'est un petit peu ce qui se passe dans ma semaine. J'ai eu des rencontres top. Ce sera très orange, je suis désolé, hein, mais j'ai pas de lumière blanche là. Attends. Voilà, ce sera... Ouais, ce sera mieux quand même, ce sera peut-être un chouï plus blanc. Voilà, super tenue du soir. Mais j'ai eu des gens top.
J'ai eu des gens extra. J'ai plus l'habitude de regarder l'objectif, c'est dingue. J'ai eu des super rencontres, en fait. Humainement parlant, j'ai adoré cette semaine au boulot parce que il s'est toujours passé plein de choses. Je me rends compte de mon évolution, je me rends compte de la personne que je suis maintenant. Et j'en discutais justement avec Manu, là, tu vois, sur Instagram, on échangeait là sur le téléphone et elle m'a dit des trucs hyper gentils, hyper beaux, tu vois, que j'ai gardé en mémoire. Un petit coin de ma tête où j'ai vachement évolué, j'ai changé, je suis plus sûr de moi. Regarde tous les métiers que j'ai fait différents. C'est Martine travaillait chez Nespresso, ensuite Martine est partie chez Leroy Merlin, Martine est partie à Carrefour Amityville, puis maintenant Martine est chez Orange. Enfin, tu vois, il s'est passé énormément de trucs quand même. Ça a été 2023, elle restera une année, mais montagne russe, incroyablement émotionnellement épuisante, instable. Je suis passé par 50 émotions différentes. J'ai hâte à cette fin d'année de pouvoir faire enfin une vidéo récapitulative de tout ça dans un espèce d'effet un peu Broadway, tu vois, comme je sais le faire. Hyper tourné sur le fun, l'autodérision, mais il m'est arrivé quand même pas mal de trucs, tu vois. On s'est rappelé ces bons souvenirs où je l'appelais en stress, où je sais pas si je vais rester dans ce travail-là, oh, regarde ce qui m'arrive. Enfin, tout ce qui m'est arrivé, tu vois, mon burn-out, etc. Et enfin, de la stabilité, enfin. Et bref, tu vois, c'était une semaine riche, tu vois. Chaque semaine est différente, c'est ce que je me dis. Un vlog à la semaine, tu vois. Ok, c'est pas le plus joli, on s'en fiche. L'important, c'est le fond et ce que je vais dire et la forme. Enfin, la forme est différente, mais j'ai eu une belle semaine. J'ai eu des gens vraiment top. Humainement, tu vois. Quand t'as des clients qui te font la bise, qui, à la fin d'un entretien, tu vois, en conseil client, qui te payent un café, une viennoiserie, ou des gens qui ont un parcours de vie incroyable. C'est ça, en fait, dont je suis fier. C'est de me dire que j'apporte ma pierre à l'édifice. Les clients vont être contents. Je vais nouer des contacts, en fait, tu vois. On va discuter de nos vies, de plein de trucs, peut-être en 20 minutes. C'est ça, c'est s'intéresser. C'est ces valeurs-là que j'ai envie de continuer à avoir, tu vois, de faire mon job, mais en même temps, humainement, de rester un peu l'aide-soignant que je suis, la personne bienveillante et empathique comme j'ai pu l'entendre, et de continuer à avancer. Ça va être le bilan de cette vidéo. Je vais te montrer rapidement mes chaussures, mais tout à fait, on va pas les couper au montage, que nini. Je vais te montrer mes chaussures que j'ai achetées, et je vous referai une vidéo un peu plus classique, structurée, etc. Mais voilà, c'est tout ce qui me venait à l'esprit, tu vois, en attendant. Regarde, oh, c'est hyper jaune, je suis désolé. Mes petites Adidas comme ça, discount. Comme elles sont mignonnes. Et mes petites Vans montantes. Coûtent pareil, payées. Moins 40%. Oh, elles me plaisent trop, j'adore. Très très content. Écoute, et puis voilà, hein. Je suis tiré à quatre épingles toute la semaine, tous les jours. En costume, belles chaussures de ville, chic, etc. Voilà, c'est pas que de la poudre aux yeux. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de te dire, mais pour te dire que voilà, là on reste naturel. Ça fait du bien d'être en pyjama, en jogging trop large et troué, avec une robe de chambre qui est bouffée par ton chien. C'est ça là, le real life, tu vois, la vraie vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, où que vous soyez, profitez bien. J'espère que tout va bien et vraiment, la conclusion de cette vidéo, c'est essayer d'appréhender au mieux votre lundi. Et je me dis que tout ce que vous envoyez de positif, tout ce que vous cultivez au fur et à mesure du temps, vous reviendra nécessairement. Ça, j'y crois dur comme fer. Voilà. Passez une super soirée. Moi, j'ai essayé de retrouver ma voix. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.